Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité. Ce soir, nous parlerons santé depuis les années 90. Octobre est consacré à un mois d'information, de levée de fonds et de sensibilisation contre le cancer du sein. C'est Octobre Rose. Un mois qui revêt cette année une dimension inédite avec l'épidémie de Covid-19. Les examens de suivi ont pris du retard, des chirurgies sont annulées. Selon une étude publiée par les chercheurs de Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, les retards de prise en charge causeront à 5 ans une surmortalité de 2 ans. Alors dans ce numéro, nous nous intéresserons donc à comment poursuivre le dépistage et la politique de santé en temps de crise sanitaire. Et trois invités sont ce soir avec nous pour échanger. En visio, le docteur Aline Combe, gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Agnès Bernou, médecin coordinateur pour l'Essonne du centre régional de coordination des dépistages des cancers d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et en plateau, Nouriatou So, l'une des fondatrices de l'association Femmes Unies au Mureau, une association qui travaille notamment sur la prévention santé des femmes. Bonsoir. Bonsoir. Pour se rendre compte de l'importance du dépistage, on va débuter avec quelques chiffres. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Pour l'année 2018, il y a eu près de 58 500 nouveaux cas et plus de 12 000 décès. Docteur Agnès Bernou, il faut le rappeler, le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Tout à fait. Le cancer du sein est la première cause, cause de cancer et la première cause de mortalité chez la femme. Alors que c'est un cancer qui, si il est pris à temps et dépisté tôt, a une survie à 5 ans de plus de 99%, alors que s'il est diagnostiqué tard, la survie est nettement moins bonne. Docteur Aline Combe, j'indiquais que selon les chercheurs de Gustave Roussy, les retards de prise en charge causeront à 5 ans une surmortalité de 2 ans. Est-ce que c'est un sentiment partagé par les équipes du centre hospitalier de Versailles ou il faut être moins inquiet que ça? Oui, le sentiment de retard de prise en charge, il existe. Il a été surtout notable après la période de mars-avril où là, il y a eu un arrêt complet des dépistages et puis effectivement des interventions annulées et reportées. Là, on était rentré dans une phase où on avait repris l'activité chirurgicale et les gens sont de nouveau retournés faire leur contrôle, donc on a repris l'activité. Mais effectivement, on a noté, j'ai noté dans mon expérience propre à la rentrée, des cas diagnostiqués un petit peu plus tardivement, en tout cas des personnes qui avaient commencé des bilans en début d'année, puis qui ont laissé traîner, pas fait les biopsies, et qui se retrouvent opérées 8 ou 9 mois plus tard, au lieu d'être opérées au moment du diagnostic. Donc effectivement, comme l'a souligné le docteur Bernou, tout retard de prise en charge entraîne des diagnostics et des traitements à des stades plus avancés, et ce qui peut donc grever le pronostic de la maladie. Donc là, à l'instant T, les rendez-vous de l'espace de santé des femmes se passent plutôt bien. Vous avez pu reprendre correctement votre activité ? Jusqu'à ce jour, donc on va voir ce que ça donne pour la suite, mais pour le moment, on a repris complètement l'activité et de rendez-vous et de chirurgie et de prise en charge. On a repris progressivement, mais assez rapidement au mois de mai, en reprenant en priorité donc, toutes les interventions chirurgicales de cancer. Donc là, il n'y avait aucun report, tous les cancers ont été opérés. Et depuis la rentrée, nous, on fonctionne pour le moment complètement normalement, et puis on attend les consignes à venir pour la suite. Voilà. Mais bien sûr, les cancers restent toujours prioritaires. Alors depuis le confinement, on entend très régulièrement dans les médias que les Français auraient peur de se rendre chez le médecin. Nous avons posé la question à nos téléspectateurs, je vous propose de regarder le résultat. La question était, avez-vous des craintes à vous rendre chez un professionnel de santé en cette période de crise sanitaire? C'est le non qui l'emporte pour nos téléspectateurs. Et pourtant, en mai dernier, un sondage réalisé par la Fédération de l'hospitalisation privée révélait qu'un tiers des Français a renoncé à consulter. Nouriatou So, avec votre association, vous êtes au plus près des femmes et des patients. Est-ce qu'il y a une inquiétude à aller voir son médecin ou à se rendre à l'hôpital ? Oui, aller voir son médecin, il n'y a pas de complications. Mais aller à l'hôpital, il y a une complication, il y a une vraiment... C'est la peur ? C'est la peur, oui. Qui bloque ? Voilà, c'est la peur qui bloque. Docteur Bernou, Octobre Rose, c'est l'occasion de rappeler que la COVID est là, mais les autres maladies sont toujours présentes. Tout à fait. Avec le confinement, on a dû arrêter le dépistage en France entière et notamment en Île-de-France pendant à peu près 10 semaines. Puisque ce n'était pas la priorité. Et au moment de la reprise, les consignes nationales qui ont été données, c'était notamment les centres de radiologie, c'était d'abord de passer en priorité
les patientes symptomatiques ou les patientes qui avaient des hauts risques de cancer du fait d'antécédents personnels ou familiaux. Mais petit à petit, en fait, on a rattrapé, les femmes sont retournées se faire dépister, mais le retour au dépistage, je dirais, à une échelle normale par rapport à ce qu'on observe sur la même période les autres années, s'est fait à partir du mois de juillet. Donc, on estime fin août qu'en fait, on a fait 75% de l'activité comparée à 2019. Par contre, depuis le mois de septembre, il y a une très forte activité. On est à peu près à 110% de l'activité normale de mammographie dans la région. Et bon, les femmes retournent faire des mammographies, donc ça, c'est positif. Mais voilà, il faut vraiment y aller parce que, comme le disait le docteur Aline Combe, ben, si on attend trop, on risque de perdre le bénéfice du dépistage. Et on sait que jusqu'à 6 semaines de décalage dans le diagnostic, il n'y a pas de perte de chance, mais à partir de 6 semaines et autour de 10 semaines et plus, on sait que bah, les tumeurs qui étaient bénignes et avec aucun risque de métastase pouvaient commencer à faire des petites métastases qui auraient des répercussions, en fait, pas forcément à court terme, mais à long terme, à 5 ou 10 ans. Donc, il faut que les femmes continuent à se faire dépister régulièrement tous les 2 ans. Et si elles ont pris du retard, qu'elles prennent rendez-vous. Il y a un peu d'attente dans les centres de radiologie puisque bah, voilà, il y a ces retards à combler. Mais il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous, même si le rendez-vous est que dans un mois ou un mois et demi, parce qu'il y a beaucoup de femmes, ne pas se décourager et prendre son rendez-vous. Docteur Combe, est-ce que vous avez perdu certaines patientes dans le sens où elles ne reviennent plus et vous n'arrivez pas à les faire revenir, ou vos patientes sont conscientes qu'il faut être soignées et être accompagnées? Alors, donc j'ai deux types de patientes. C'est celles que j'ai déjà opérées d'un cancer et que je suis. Donc, elles ont quand même bien en tête l'importance du suivi et de la surveillance. Donc, ces patientes-là, elles ont eu, comme le dit Dr Bernot, un petit retard de date, souvent de mammographie qui est annuelle pour les surveillances d'antécédents de cancer, qui ont été décalées de quelques mois en raison du Covid et puis des difficultés de rendez-vous, le temps que les choses se remettent en place. Mais elles ont au maximum perdu quelques mois. Elles sont bien quand même à jour de leur bilan. Après, je pense qu'effectivement, la nécessité vraiment d'insister sur le dépistage, donc pour le dépistage des nouveaux cas. Les patients qui se sont su malades et qui ont été traités sont quand même bien sensibilisés à l'intérêt d'une surveillance rapprochée. Par contre, effectivement, on note peut-être un petit peu moins de dépistage précoce, et c'est tout l'intérêt de dépister les lésions le plus tôt possible. Ces patients-là, ne se sachant pas malades, peut-être, voilà, on passe ça dans leur priorité de se faire dépister, et c'est vraiment le point qu'il faut souligner, puisque certaines patientes là viennent avec des tumeurs plus avancées, plus palpables. Donc celles-là, effectivement, elles ont un point d'appel qui justifie de consulter à l'hôpital et qui passe outre peut-être leur angoisse d'autre chose. Mais toutes les patientes sans aucun symptôme qui vont moins se faire dépister, ce sont celles-là qui sont à risque de retard de prise en charge. Non, il faut savoir. Allez-y, Madame Bernou. Je voulais juste dire que, évidemment, les centres de radiologie appliquent toutes les consignes nécessaires sanitaires. Les personnes en salle d'attente ne sont pas trop nombreuses. Et tout est fait pour respecter les consignes par rapport au Covid. Bien évidemment, les seules personnes à qui on demande de différer, ce seraient les personnes qui seraient en rapport, enfin, auraient eu un cas contact ou seraient atteintes de cette pathologie. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de raison de différer son dépistage. Idem, j'imagine, au centre hospitalier de Versailles, tout est mis en place pour rassurer et faire attention. Vous faites attention à vos patientes. Oui, bien évidemment, hein, c'est un centre hospitalier, on applique strictement, bien sûr, toutes les consignes, et depuis les reprises des consultations, tout est fait évidemment dans les salles d'attente pour que les gens soient distanciés le plus possible, tout le monde porte le masque, il y a du SHA qui peut être délivré vraiment très régulièrement dans l'hôpital, dans tous les couloirs et partout, donc les gens ne prennent pas un sur-risque à venir à l'hôpital, au contraire, ils prennent sur risque en n'y venant pas ou en ne consultant pas s'ils en ont besoin. Nouria Tousseau, est-ce que votre association est plus que jamais attentive à ce que les femmes se fassent suivre? Vous avez du mal à les convaincre, et même votre association est un peu à l'arrêt avec toute cette situation? Oui, l'association est un peu à l'arrêt à cause de la COVID-19. Donc, bon, pour l'Octobre Rose,
On a pensé ça, à ça beaucoup depuis quelques mois. On dit, il y a le mois d'octobre arrive, qui arrive, donc il y a, c'est le mois de... C'est le mois de sensibilisation. Voilà, de sensibilisation pour les femmes, pour la mammographie. Et puis, il y a certaines femmes qui sont d'accord pour aller se faire dépister à la radiologie des Mirori Aristide Briand. Donc là, on peut se déplacer quand on a le courrier. On amène directement pour se faire dépister. Mais il y a quelques dames qui... C'est difficile de les convaincre. Parce que le mot hôpital aujourd'hui, le mot médecin, ça les fait peur. Donc, ils ne savent pas s'ils vont choper encore d'autres maladies et puis les ramener à la maison. Tout ça, il y a une méfiance à cause de la COVID-19. Docteur Combe, vous le ressentez, vous, sur le terrain, pas cette méfiance, mais cette peur que peuvent avoir certaines patientes? Non, moi, puisque effectivement, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont franchi en tout cas l'obstacle de la peur, et ceux qui doivent avoir le plus, on ne les voit pas malheureusement. Mais je pense que c'était surtout le cas, effectivement, peut-être au mois de mai-juin. Et après, on a noté une reprise des consultations, au contraire, plus que pleines, avec ceux qui avaient pris un petit peu de retard pour avoir leur rendez-vous. Donc là, ce n'est pas mon sentiment, en tout cas, pour les gens qui viennent consulter à l'hôpital, mais ceux-là viennent. Donc évidemment, les efforts doivent porter sur les autres. Noria Toussaint, vous avez prononcé le mot, c'est le mot courrier. Alors je vous propose à présent qu'on regarde un reportage qui a été réalisé au sein du Centre de coordination des dépistages des cancers des Yvelines. Depuis 2004, le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé. Dans les Yvelines, 40 000 dépistages ont lieu tous les ans grâce à cette antenne du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, un service public qui accompagne les femmes. Dès l'âge de 50 ans, donc, les femmes reçoivent notre invitation. Elles prennent rendez-vous dans un centre de radiologie. Donc nous, on adresse avec l'invitation une liste de radiologues agréés au dépistage organisé. Et les femmes vont passer donc tous les 2 ans, si tout se passe bien, une mammographie de dépistage organisé jusqu'à l'âge de 74 ans. Le Centre de coordination des dépistages des cancers est aussi là pour contrôler une deuxième fois les résultats des mammographies. On reçoit les mammographies après que les femmes aient répondu à nos invitations de dépistage organisé et aient passé dans un premier temps leur mammographie dans un centre de radiologie du département ou d'ailleurs. À partir du moment où elles ont été considérées normales par le premier lecteur dans le centre d'imagerie, elles viennent à la structure de gestion pour être lues par un second radiologue avant d'être retournées aux femmes avec la conclusion finale. La dizaine de personnes qui travaillent dans cette structure accompagnent donc les femmes pendant tout le processus, de la sensibilisation de l'importance du dépistage jusqu'au résultat. Au total, 250 femmes sont dépistées positives au cancer du sein chaque année dans les Yvelines, grâce au dépistage généralisé. Docteur Combe, est-ce qu'on peut rappeler l'importance de ce dépistage? Parce que c'est le mot qu'on prononce depuis le début de l'émission. Alors, le dépistage, comme l'a souligné Dr Bernou, il a l'intérêt de dépister les tumeurs les plus petites possibles, donc ils se guériront le mieux. Et actuellement, c'est quand même la plus grosse partie de pourvoyeurs de diagnostic de cancer du sein vient du dépistage. Et donc, c'est tant mieux, c'est ce qui a permis d'améliorer son pronostic. Donc, effectivement, si on diminue le dépistage, on va diminuer le nombre de cancers dépistés. Et en plus, on va diminuer le nombre de ceux qu'on peut guérir le mieux. Donc tout repose sur... c'est ce qui a permis le progrès dans le pronostic de la maladie. Comment il se fait, ce dépistage? On a parlé de radiographie. Il y a une palpation annuelle à faire par un professionnel de santé dès l'âge de 25 ans. Quelles sont les différentes étapes? Alors, le dépistage, oui, effectivement, il est clinique. Donc, évidemment, la consultation gynécologique annuelle avec la palpation est recommandée pour toutes les femmes. Effectivement, en fonction de... À partir de 25 ans, comme vous l'avez souligné, puis bon, on identifie des familles, ensuite des cas plus ou moins à risque pour faire ce qu'on appelle après un dépistage mammographique qui peut être soit individuelle, soit organisée. Donc, dans le cas du dépistage organisé, effectivement, les patients sont invités directement par les centres de dépistage entre l'âge de 50 et 74 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer les mammographies forcément qu'à 50 ans. Après, le clinicien que la patiente va devoir aller voir, donc son gynécologue tous les ans, va juger au cas par cas, selon le risque familial, le risque individuel de la patiente, de la nécessité ou non de commencer le dépistage mammographique plus jeune.
On a été un peu alarmiste avec des chiffres assez conséquents, mais on l'a dit, en plus, c'est un cancer qu'on sait guérir. Le taux de survie varie de 80 à 90%. C'est pour ça qu'il faut continuer à se faire dépister. Alors, docteur Combes, si vous souhaitez rebondir, ou madame Bernou. Oui, il faut, c'est important de se faire dépister et de se faire dépister tous les 2 ans. Ce dépistage, il n'a son efficacité que s'il est refait régulièrement tous les 2 ans, puisque on sait qu'un cancer met à peu près une dizaine d'années à se développer, et le gain par le dépistage organisé, en fait, entre le moment où on va faire une mammographie, donc une radio-dessin, où on va percevoir des anomalies radiologiques qui vont conduire à aller plus loin dans les examens et donc qui vont permettre de dépister un petit cancer, et le moment où on aurait en fait une masse qui serait cliniquement palpable, en fait, c'est un délai de 2 à 3 ans. Et du coup, tout le bénéfice de ce dépistage, c'est de refaire ce contrôle régulièrement tous les deux ans, hein, pour permettre au cours de la vie d'une femme de trouver très, très tôt un cancer. Oui, je voulais rajouter aussi l'intérêt du dépistage organisé qui est proposé à partir de 50 ans. Alors, pourquoi à partir de 50 ans? C'est parce que 75% des cancers du sein surviennent chez des femmes après 50 ans et sa fréquence augmente avec l'âge. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on propose ce dépistage généralisé à toutes les femmes à partir de 50 ans. Et puis, un dépistage organisé, c'est un dépistage qui bénéficie, donc, comme l'a dit dans le reportage le docteur Vincelet, d'une seconde lecture. Et il faut savoir que cette seconde lecture déclichée par un deuxième radiologue permet de dépister 6% de cancers, dans le dépistage organisé. 6% des cancers trouvés dans le dépistage organisé le sont grâce à la seconde lecture. Et il y a aussi un contrôle qualité du matériel radiologique utilisé qui permet d'avoir un matériel de qualité à la fois pour assurer un bon dépistage, mais en même temps s'assurer qu'il n'y a pas trop de... que du fait que c'est des radios, donc il y a des rayons qui sont envoyés, que la quantité de rayons que la femme reçoit pendant l'examen est très faible et donc ne provoque pas de risque lié à ces rayons. Noria Toussaint, on sait aussi que, outre la peur de la pandémie, d'attraper une autre maladie, c'est parfois l'aspect financier qui va bloquer les personnes à aller se faire soigner. Le dépistage organisé est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Est-ce que, lors de vos groupes de parole, vous en profitez pour rappeler ceci, ou les professionnels de santé viennent? Comment ça se passe? Oui, lors de nos groupes de parole, les professionnels de santé viennent. On fait des groupes de parole avec des professionnels de santé. Tels que l'ADMI et la Ligue contre le cancer du comité des Yvelines. Donc, ça nous a beaucoup aidé et ça nous a beaucoup appris. Parce que le cancer, c'est vrai, c'est quand on entend le mot cancer, on a peur. Mais on s'imagine tout de suite qu'il n'y aura pas d'issue positive. Voilà, là, on a compris que si on y prend un peu plus tôt, on a la chance de réussir, que le cancer on pourra le guérir. Donc les femmes ont compris c'est grâce à ces professionnels qui nous a vraiment appris beaucoup de choses et autour d'un point café qu'on le faisait tous les mois, tous les 15 jours, on fait un groupe de parole avec un professionnel. Donc vraiment ça nous a beaucoup appris et on a moins peur. C'est vrai, ça fait peur, mais on a moins peur. Il faut s'y prendre un peu plus tôt au lieu d'attendre que ça s'aggrave. Donc, et est-ce que vous travaillez plus précisément avec la mairie des Mureaux pour renforcer, voilà, qu'en cette période, le dépistage doit continuer à se faire, il est très important? Oui, on travaille avec le CCAS. Donc, on a beaucoup travaillé avec le CCAS de la ville des Mureaux. Et bon, on a beaucoup de partenaires qui ont participé pour nous soutenir un peu sur la sensibilisation qu'on fait au niveau de la ville. Et on a même pu monter une pièce de théâtre pour vraiment que les gens savent que le cancer, il y a une solution. Il faut s'y prendre un peu plus tôt au lieu d'attendre. Donc ça, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé la population aussi.
Justement, là, on vient de l'entendre, il y a des groupes de parole qui se créent dans certaines communes, il y a des activités plus culturelles, mais est-ce que c'est aussi un moyen de pousser ce dépistage à se faire? Est-ce qu'il faut aussi cette année peut-être se renouveler dans les animations pour pousser les femmes à comprendre qu'il faut se faire dépister? Tout à fait. En fait, on a dû annuler. D'habitude, il y a de très nombreuses manifestations, des courses, des marches, des rencontres qui sont organisées. Cette année, bien entendu, avec le Covid et avec en plus la période qu'on vit en octobre, avec un renforcement des mesures sanitaires, beaucoup de ces actions n'ont pas pu avoir lieu. Donc, il y a eu beaucoup d'imagination pour créer en fait pas mal d'actions via les réseaux sociaux, à travers, nous on a développé notamment des affiches avec un QR code au niveau régional qui permet aux gens, en flashant le QR code, d'accéder à notre site internet pour accéder à de l'information sur ce dépistage. Il y a des courses qui ont été organisées par la Ligue dans certaines villes ou dans certains départements pour sensibiliser les gens, des courses virtuelles. On a fait aussi des groupes de formation de personnes via des webinars où on a pu former des personnes relais au niveau de mairie, au niveau de bénévoles. Donc, on a essayé de développer un certain nombre d'outils innovants pour pallier au fait qu'on ne puisse pas malheureusement faire cette rencontre individuelle avec les gens dans l'espace public. Et le message aussi qui est important, et je rebondis sur ce que vient de dire madame, c'est qu'en fait, il faut que les femmes deviennent actrices de leur santé et de la lutte contre le cancer. On n'est pas passif. C'est une bonne nouvelle actuellement avec la connaissance actuelle qu'on a. C'est qu'à la fois, on peut faire de la prévention puisque 40% des cancers peuvent être évités grâce à une activité sportive, une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac, la diminution de l'alcool. Donc, agir sur tous ces facteurs de risque en faisant de l'activité physique, en équilibrant son alimentation, c'est une façon d'agir contre le cancer. Et puis, participer au dépistage, ne pas tarder quand on reçoit son courrier d'invitation pour prendre rendez-vous chez le radiologue, pour faire son dépistage de manière régulière, c'est aussi une façon, en tant que femme, d'être active face au cancer. Docteur Combes, au centre hospitalier de Versailles aussi, on a cherché à informer différemment pour pouvoir continuer à dépister normalement. On a un stand chaque année, on tient un stand pour Octobre Rose dans le hall de l'hôpital. Et donc, il s'est tenu cette année, puisque avec le respect des gestes barrières, mais donc ça a été maintenu. On essaie de maintenir pour qu'effectivement tout soit fait pour continuer à promouvoir le dépistage le plus possible. Justement, dans ces journées-là, quels sont les termes utilisés? C'est vous-même qui êtes présente, ce sont des sages-femmes, on multiplie les professionnels de santé pour montrer que c'est tout un monde aussi. Le dépistage, ce n'est pas qu'un gynécologue ou autre. Oui, tout à fait. Donc, les sages-femmes maintenant participent beaucoup au dépistage puisqu'elles voient beaucoup de patientes dans le cadre du suivi, donc des patientes qui n'ont pas de problèmes particuliers, de pathologies particulières et qui sont vues pour des consultations de suivi. Effectivement, face à la pénurie un petit peu de médecins gynécologues en ville et les professionnels hospitaliers, effectivement, on est plutôt dédié à la chirurgie ou quand il y a déjà une pathologie qui est diagnostiquée. Mais les sages-femmes participent beaucoup au dépistage, tout à fait. Dans notre stand, il y a aussi on fait venir des associations. Oui, c'est important finalement. On voit l'association de Madame Sceaux fait venir des médecins pour rassurer. Est-ce que vous-même, en tant que praticien de santé, vous allez vers les associations pour qu'il y ait vraiment une coordination du message? Docteur Combes, alors, c'est plutôt à l'école du centre hospitalier, mais donc du coup, effectivement, c'est important que l'information puisse être relayée dans les deux sens, que les professionnels aillent vers les patientes et que effectivement les patientes n'aient pas peur d'aller vers les professionnels. Oui, parce que Madame Sceaux, votre association travaille contre l'isolement, notamment celle des femmes, et la santé, c'est très important, j'imagine. Oui, contre l'isolement des femmes et pour la réussite contre l'échec scolaire aussi des enfants. Donc là, vraiment, ce que je peux rajouter, c'est comment on fait
lors des... On ne sait pas aujourd'hui s'il y aura un confinement ou pas. Donc ça, vraiment, vous les professionnels, on aimerait bien avoir une piste. Comment faire, comment renouer les contacts, comment on pourrait reprendre les groupes de parole avec les professionnels et les femmes qui en ont besoin. Bah, je pense que tout le monde a besoin de se soigner, de se faire dépister. Donc ça, c'est une question que je pose aux médecins. Quelles solutions ils en ont pour les associations? Alors, je vais vous donner la parole, docteur Bernou, parce que l'association travaille notamment avec le CRCDC des Yvelines. En quelques secondes, si vous avez déjà une piste, ou peut-être qu'il faut attendre les prochaines déclarations. Le président Emmanuel Macron s'adressera notamment aux Français ce soir. Est-ce que finalement, tout est en suspens? Alors, non, tout n'est pas en suspens. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser. Mais malheureusement, on sait que le contact virtuel à travers... voilà, les connexions Internet, les chats, c'est un moyen, mais effectivement, ça ne suffit pas. Parfois, les gens ont besoin de se rencontrer en vrai. Et ça, c'est une vraie difficulté qui est compliquée maintenant. Donc, utiliser des outils, des groupes de parole. Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues, par exemple, qui ont continué à avoir, pendant le confinement, à avoir des consultations en visio. C'est pas l'idéal, mais bon, c'est peut-être mieux que rien. Et donc, peut-être envisager des groupes de parole en visio, ça peut être une solution dans cette période très complexe. Et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. On l'aura bien compris, le dépistage est nécessaire. Quand vous avez votre courrier, rendez-vous chez votre professionnel de santé. Allez chez votre professionnel chaque année quand c'est nécessaire aussi. Octobre rose, ça dure jusqu'au 30 octobre prochain. Pour compléter cette actualité, vous pouvez revoir l'entretien réalisé par Éléonore Sinoquet dans le 7-8 journal du 7 octobre dernier. Et l'émission, vous pouvez la revoir sur le site internet ou notre application mobile. Le 7-8 Société revient la semaine prochaine.